Hey, salut tout le monde, c'est Vnecter et on se retrouve sur Oblivion. Donc, c'est pour moi une nouvelle session. Donc, j'avais commencé l'enregistrement, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc. Mais c'est pas trop grave. Donc, on va s'arrêter là pour la guilde des mages, vu que j'ai besoin de beaucoup de magie pour sortir, pour lancer le sort à la con. Et il me faut 200 et quelques de magie et j'ai pas assez, donc voilà, ça c'est fait. Donc pour l'instant on va attendre. Et je me suis dit on va faire quelques quêtes secondaires, tout ça tranquillement. Juste me mettre le chrono vu que j'ai pas resté trop longtemps. Et là on est parti sur la guilde Les péchés du père. Donc apparemment il y a un voleur qui a volé je sais pas trop qui et tout. Donc il faut aller là-bas. Donc cataclope, cataclope. Voilà, sans les bugs de... Sans les bugs, c'est mieux. Voilà. Coucou le loup. Je passe à côté, je fais même pas gaffe au loup, quoi. Hop. Aussi pour info, en off, j'ai augmenté un petit peu ma magie. Ici, oui. Donc l'invocation, ici, niveau 31. Et l'illusion, je crois que j'ai monté un petit peu. Mais c'était surtout l'invocation qui a pris pas mal de temps et comme ça je peux jeter les trucs. Mysticisme, ça j'arrive pas à l'augmenter. J'ai un sort télékinésie mais ça fait rien du tout. Et après éloquence, bon ça je peux rien faire. L'alchimie, j'en ai fait un petit peu mais ça augmente pas des masses. Voilà. Après tous les trucs de base quoi. Et apparemment c'est ici. Apparemment c'est ici. Il y a un petit gobelin. Oula, oula. Oula, oula, oula. J'ai pas compris, c'est... Là, je viens d'invoquer un fantôme. Oula. Attends. Yaha! Allez. Mon cheval qui a l'air complètement perché. J'entends pas la musique. Option. Audio. LOL. Je sais pas. J'entendais pas la musique, bon c'est pas grave. C'est mieux avec la musique quand même. Fantôme. Elle est partie. Ya! Bien, c'est qu'il tape rapidement celui-ci. Oh là là là! C'est que tu vas te calmer très très rapidement toi. Putain, plus d'enchantement. D'ailleurs, attends, enchanté quoi mon épée? Absorption de fatigue, ouais, d'agilité. Ah. Je sens que j'ai baissé la difficulté vu que là, les combats, voilà. Option. Vu que j'ai augmenté de niveau, je crois, donc c'est encore plus dur. On va mettre ici. Ah déjà, c'est mieux. Parce que les combats qui durent une demi-heure, c'est pas trop mon truc. Arf. Voilà. Il est passé où son bordel? Bouclier d'honneur, ça je prends, ça coûte cher. Je suis arrivé à l'entrée de la grotte de la vallée de Rougegarde. Ok, c'est cool. On a 20. Ninja. Je me souviens plus du tout des raccourcis que j'avais mis. Ok, 4 boucliers, lumière. Et ça c'est quoi, 6? Donc en gros, je claque un bouclier. Ah ça c'est la grosse guérison, ok. Tac, je vais remettre le bouclier.
Oh! Oh, ça touche. Yo! Ah là, ça touchait, c'était beau quand même. C'était beau. Je pense que ça coûte cher ça. Ça pèse 3 kilos, mais ça coûte cher. Lui, ça a pas plus traumatisé que ça que je tue son copain. Hop. Ouais, je sais, je ne peux pas mettre un nouveau truc, je prends. Hop, on va relancer un petit sort de Night Vision, même si je pense que la torche, c'est mieux. Hop, torche. Il y a un chemin ici. On va aller par là. Par ici. Je me demande si je pourrais pas lui balancer un petit peu des sorts dans la tronche à lui. J'ai éclair, j'ai étincelle. Éclair, c'est pas mal. Contact foudroyant. J'ai pas un gros sort, c'est étincelle qui fait... Bzzz. Ok, c'est pas terrible. Ah, boule de feu, ça marche mieux. Ah ouais. Tu me donnes ça, toi. Faire de l'alchimie avec tes dents. Oula. Ok. Bon, on va laisser courir un petit peu lui. Je n'ai plus assez de magie. T'es gros toi. Oula. Oula. C'est qu'il a énormément de vie lui. Va se le faire à distance quoi. C'est que monsieur a beaucoup de vie là tout de suite. Allez! Waouh! Waouh! L'âme d'honneur de Corolle, j'étais venu chercher ça. Et une pépite d'or sur lui. Waouh, waouh, waouh! Il m'a mis très... Eh oh, T. Ah, je peux pas. Attends, il y a des ennemis qui sont proches. Ok. On va aller fouiller qu'est-ce qu'il avait là-bas, lui. T'es coriace, hein? What? Normal. Pas en chose. C'est tout. Bon, ok. Demi-tour. Demi-tour. Mon première quête accomplie avec brio. Hop. Décor, il y a ce quand même. Ouais, en même temps, par rapport à l'autre, il a un bide plus gros. Elle est grande cette grotte, je me tâte à la fouiller quoi. Étincelle, étincelle, éclair.
Charisme, j'ai pas un truc qui... Fortification d'intelligence, je prends. Fortification de magie, je garderai pour plus tard. Il n'y a pas un truc... Regarde. Regarde magicien. C'est ça le feu, les ogres, ils aiment pas ça. Oh! Hop là. What? Mais il y en a au taquet. C'est la fête ici. Oh là là là. Voilà déjà. On attend 1 heure. Pas un petit coffre ni rien. Tous ces ogres pour rien. Bah, c'est pas possible. Voilà, c'est fait. Oh, je porte trop de charge, c'est une blague. Faire une sauvegarde quand même. Voilà, c'est mieux. Bon, bah pour le moment ça va. Pompelop et Pompelop, une quête de plus de fini, hein. YOLO. Hop, sorti. Y a mon cheval qui entend là-bas gentiment. Que j'aille à Corolle. Pourquoi il y a deux marqueurs d'ailleurs? C'est une quête quoi. Oh là, au château. Salut. Il y a du brouillard, salut. Mais... C'est bon de vous voir. Bienvenue. Bonjour, je suis Leith Wavrick, grand héros et serviteur de la comtesse Valga. Ouais, si tu le Bienvenue dis. À Corral. Corolle. Saviez-vous que le frère jumeau de Reynald Jeman... Ah ouais, mais je suis au courant, ça c'est fait. La comtesse La Valga. comtesse est visible. Veuillez respecter le protocole habituel. Ok. Donc, objet volé. Il y a belle lurette, quand le comte était encore vivant, un voleur téméraire s'est emparé de l'ancienne lame d'honneur de Corolle dans son château. Pourquoi? Parce que je l'ai retrouvé. C'est incroyable. Je ne pensais jamais revoir cette épée. Comment êtes-vous? Ça ne fait rien. À cheval donné, on ne regarde pas la bouche. Veuillez accepter mes remerciements au nom du peuple de Corolle pour avoir restitué cette épée et rétabli l'honneur de notre cité. En témoignage de notre gratitude, je vous accorde un symbole d'honneur et d'héroïsme, l'écusson de Corolle. Allez, un de plus. Vous avez rendu un grand service à Corolle et vous devriez être fier de vous. Ok. Et donc comme ça, je marque des points. Ah! Ah! Trop lourd! Comme ça, je marque des points ici et je pourrais m'acheter une maison à Corolle. Une fois que j'aurai les trucs. Ouh. Fortification d'endurance, réflexion des dégâts 20% sur ça. C'est cool. Je sais pas si c'est... Ouais, je vais me balader un peu avec celui-là. Par contre, ce qui me fait le plus... qui m'enquiquine le plus... Ouais, je pèse super lourd. Il pèse super lourd ce bouclier. Vert. Fermé, je viendrai le récupérer un de ces quatre. Voilà. Range les choses, tout de même. Voyons. Soyons un minimum civilisés. Quand vous voulez. Hey, c'est cool ça. Hop. Il rend super bien. C'est cool. Bonjour. Bonjour. Tout le monde qui me dit bonjour, ils sont polis ici.
Donc, une quête de plus, et là-bas j'ai un marqueur. Je vais y aller aussi. C'est bizarre que j'ai deux marqueurs alors que j'ai qu'une quête active. Où ça? Pourquoi ils veulent que j'aille à Waverly? F5? Ah non, je me souviens, je crois que c'est leur père qui avait volé le truc et les ogres l'ont embarqué. Enfin, je suis pas trop sûr. Ouais. J'ai appris ce C'est que à vous avez toi, fait. Avez-vous Gilbert. quelque chose à dire au sujet de mon père? Albert Jayman. Les mots me manquent. J'ai déjà entendu dire que la lame d'honneur se trouve de nouveau dans le château de Corolle. Et l'écusson de Corolle que vous avez est la seule preuve dont j'ai besoin. Mon père nous a dit qu'il avait caché quelque chose pour nous. Quelque chose pour subvenir à nos besoins futurs. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était cela. Je suis désolé que vous ayez à redresser ce tort dont mon père était responsable. Une fois de plus, vous avez bravé le danger pour nous. Ma famille était peut-être célèbre par le passé, mais qu'on n'ose jamais dire de nos jours que les Jayman ne règlent pas leurs comptes. J'aimerais que vous gardiez ceci en souvenir. Mon père me l'a donné quand j'étais haut comme trois pommes. Je pense que vous devriez l'avoir. Merci encore, mon ami. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre maison. Ça me fait plaisir. Bouah! Ton père, il L'honneur tue vous des gemmes convient. spirituelles comme Que ça. vos voyages soient heureux. Normal. Tu permets? Je vais venir piller un petit peu. Je suis trop lourd. LOL. Ah, ça pèse 5 kilos les citrouilles. What the fuck? Ok, j'ai mangé les citrouilles. Est-ce que je vais poser ça? Est-ce que je vais le vendre? Vu que ça pèse quand même super lourd. Ouais, j'en ai 8, ça fait ouais, beaucoup. Ça fait 30 kilos presque. Maison. Oui, des potions. Ah, mère de la nuit, on voulait parler. Bonjour, écoutant. Approchez-vous et je vous ferai part des informations que j'ai recueillies. Car quelqu'un de la confrérie noire doit rechercher une impériale nommée Camilla. Elle a besoin de nous et nous nous faisons une joie de lui rendre service. Votre annonceur devrait rechercher cette personne dans la ville de Mourold. Sur le territoire des elfes noirs de Morrowind. Abrège. Laissez-moi. Je vois pas mes pieds. Je vois pas mes pieds. Apportez ces informations à votre annonceur afin que la volonté de Yo lololo, yo lololo, yo lololo. Salutations à notre père de la terreur. Ouais, ça marche. Ouais, j'ai des boules de feu complètement random comme ça. Ok, je craque un petit peu dans ma tête. Hop. On pose ça. Faudrait que j'utilise le poison un petit peu de temps en temps, c'est cool. 50 000 trucs là aussi, c'est un peu le bordel. Hop. C'est des grandes gemmes en plus. Cool ça. J'ai deux sabliers sur moi encore. J'ai même pas fait gaffe. Spook. Oui, je les placerai bien un jour. Un jour peut-être. Un jour, mon prince viendra. Ouais, bon, j'ai pas assez de magie, je sais. Faire cette quête-là. Je fais des petites quêtes secondaires comme ça vide un petit peu l'emplacement de quête. Ça permet de...
Ah, la neige. C'est cool. Et chez elle, l'autre? Elle est où? Ok, elle est là-bas. Yepy go! C'est assez étrange compte tenu de sa vocation. Mais j'imagine que cela ne fait de mal. Bonjour. Ici à Siro. Ok. Pas des quêtes pour le moi, devoir mec. M'appelle. Ok. Au revoir. Allez, chez l'autre. Que voulez-vous? Bonjour. Vous ne voyez pas que je suis bouleversée? Ah non, non, ça se voit pas. Je suppose que je peux vous confier ces informations. Après tout, si vous m'aidez à récupérer mon or, vous en gagnerez peut-être bien une partie. Je sais que vous êtes au courant pour Jorund et son petit problème avec le garde. Non, non, moi, ce que j'aime, c'est ton gros caillou que t'as au niveau du cou, là. J'ai peut-être laissé échapper un détail ou deux pour pousser quelqu'un comme vous à me venir en aide. Je ne dirai rien de plus tant que vous n'aurez pas accepté de m'aider. Bon, allez, oui, oui. Tout ce que je peux vous promettre... C'est que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Non, alors, je veux de l'or. C'est oui ou c'est non? D'accord. Bonne réponse. Voici ce qui va se passer. Jorund et moi avons toujours eu une relation houleuse. J'ai dû le suivre dans tout Cyrodiil contre mon gré pour l'aider à commettre ses petits crimes minables. Je ne dirais pas que nous sommes des voleurs. Nous avons volé des choses, c'est sûr. Mais jamais beaucoup. Juste assez pour survivre. Alors le enfin, chrono... jusqu'à l'année dernière. Nickel. Jorund a commencé à prendre des risques et à s'attaquer à des cibles plus dangereuses. Et je ne parle pas que des marchands solitaires. Des cibles plus importantes, d'importantes propriétés, des collectes de taxes. Je les suppliais d'arrêter, je savais très bien que tout cela mènerait un jour à la violence. Ouais. Il a refusé de m'écouter et a menacé de s'en prendre à moi si je me mettais en travers de ça. D'accord, vous êtes séparés. Quelque chose, il me frappait ou me repoussait. D'accord. Bon, notre qu'est-ce que tout cela avait... des taxes livrées qu'est-ce que à la cité impériale. Nous avons réussi à les voler, mais Jorund a tué un garde. J'étais horrifiée. Nous nous sommes emparés de l'or et nous sommes partis nous cacher dans les montagnes. Il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il me tuerait. Avais-tu à mourir? À ce stade, j'avais très peur de lui. Deux jours plus tard, les gardes de Bruma City ont trouvé notre cachette. Jorund a été capturé alors que j'étais partie chercher de la nourriture. Ça lui apprendra. Je voudrais que vous alliez le voir de ma part dans les cachots du château de Bruma. Convainquez-le de vous dire où se trouve l'or, et nous le partagerons ensuite. Dec. Ok. Ça ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. Allez, un peu d'imagination. Oh, t'as intérêt à te calmer, toi. Tu ne me vois pas. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh. Je ne suis pas encore un assez bon ninja. Je vais devoir perfectionner ma technique. Donc il faut que j'aille voir l'autre dans les cachots, d'accord? Avec la neige. Qui glitch complètement, mais ça c'est pas important, c'est un détail. Yololo, 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 yololo. Bonne nouvelle, je saute comme ça améliore mon athlétisme. C'est con mais... D'ailleurs en athlétisme je suis 51 quand même. Niveau 100 on fait des bonds de 2 mètres, ça veut rien dire. Bonjour messieurs. Oula, c'est l'orgie ici. Il se passe quoi? Je pourrais tellement piquer tout ça. Il faudra que je revienne ici. Bon, What? Faut que j'aille où là? Ah,
Ouais. Bonjour. Salut, salut. Ah, difficile. J'ai compris, il faut que je te Que puis-je parle. faire pour vous, monsieur? La comtesse de Ces Bruma. audiences se déroulent dans la grande salle. D'accord. Rendre visite à un Oh, quelle prisonnier. poisse! Ne traînez pas trop. Je suis obligé de rester avec vous pour vous surveiller. T'inquiète pas.